Attends, lâche-moi Mato. Ok, salut la team, je vous allez bien, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc, les gars, je vous laisse vous présenter. Ouais, salut, moi c'est Mickaël, j'ai 21 ans. Je connais ce petit con là depuis quoi? Depuis la 5ème. Voilà, depuis la 5ème. On était dans une classe de Google. Ouais, de fou. Enfin, comme nous quoi. Antoine. Bah, moi c'est Antoine. Vous le connaissez déjà. Voilà, vous le connaissez déjà, on a déjà fait une vidéo ensemble sur le jeu le plus dur au monde, je pense, comme ça. D'ailleurs, ouais. Si vous voulez la voir, allez la checker. Bref, je vous explique qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Je vais pas vous le dire comme ça, sinon ça va être trop compliqué avec eux. Mais je vous mets une intro avec une voix off. C'est parti. Ok, ça va être très simple. Tout d'abord, je tiens à préciser que je me suis inspiré de la vidéo de Jonka. Donc pas la peine de le préciser en commentaire. Le but va être très simple. Fabriquer un bateau à l'aide d'absolument rien. Simplement de la récupération dans les poubelles et un budget de 10 euros. Va-t-on réussir cette mission? Je vous laisse regarder. Bon visionnage. Ok, donc comme vous l'aurez compris, on va construire un bateau à l'aide de absolument rien. Bien sûr, si on trouve rien chez moi ou même dans la rue, parce que je crois que je sais pas si c'est le jour où tous les gens jettent leurs trucs là. Et bref, si on trouve rien, on ira à Action peut-être pour acheter quelques trucs pour voilà, nous aider quoi. Ouais, enfin, c'est de la triche quoi. Non, pas du tout. Mais non, c'est pas de la triche. Mais si. Mais non, parce qu'en gros, c'est vraiment si on trouve rien, on peut pas faire un bateau avec nos doigts et. Enfin, voilà, c'est pas possible. Ouais. T'es d'accord ou pas, c'est bon? Ouais. Sinon, on va couler. Donc lui, il serait qu'il veut vraiment couler. Bref, comme vous savez, je pense qu'elle va avoir confiance en nous. Parce que comme vous savez, on a un bac pro menuiserie. Deux, on deux, avec la mention. Ouais, c'est bon. Bref, voilà, c'est parti. Et puis bah, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, on va faire notre maximum. J'espère bien. Dites maintenant dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport au bateau, ce qui va couler, est-ce que ça va bien marcher? Non. Est-ce qu'on va se noyer, est-ce qu'on va mourir? Enfin bref, dites dans les commentaires. Faites-nous confiance. C'est parti? Ouais, c'est parti. Allez, go. Bon, du coup, comme vous l'aurez compris, on a absolument rien trouvé dehors, les poubelles étaient toutes vides. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que j'ai pris des trucs de chez moi. C'est comme vous savez, mon père est maçon, du coup, il y a un petit atelier en bas, j'ai pu récupérer 2-3 trucs. Et c'est la galère pour eux. Salut. Ça va, ouais, enfin, on sacrifie, la on sacrifie. Galère pour un. Et du coup, ce qu'on va faire là, c'est direction Action pour essayer de trouver 2-3 trucs. J'ai archi bégayé. Et voilà, parce que sinon le bateau va être horrible. Vous êtes prêts, les gars? Ouais. Yopi, ouais, parti. Ouais. Fini les enfants là. Allez, go. Ouais. Yo, bon, du coup, ça y est, voilà. On est au magasin. Bon, pas sponsorisé comme d'habitude, hein, je suis toujours pauvre. C'est de la triche. Mais bref, lui, eux, ils pensent que c'est de la triche, ils disent dans les commentaires. Ah oui, c'est de la triche. Mais non, c'est pas de la triche, parce que sinon, sans ça, on va couler, c'est ridicule, on va pas faire une vidéo. Oh, on construit un bateau au final, bon, on savait qu'il allait couler, mais c'est juste qu'on fait. Donc là, t'es en train de dire, ouais, on va pas couler alors tout à l'heure. On paraît combien? Là, regardez moi, je parie qu'on coule. Allez, vas-y, viens, fais des. Sorry, I'm sorry. Parie tout de suite. Moi, je parie qu'on coule. Tu mets une. Moi, je parie. Tu me mets quoi? Attends, gros, je suis malade, gros. Oui ou non? Bon, écoute, viens, on parie simplement, comme ça, on a mis. Allez. Vas-y, ok, ok, donc à la base, en fait, on voulait partir, enfin moi, j'avoue, eux, ils voulaient pas trop partir sur ça. Mais on s'est dit, ouais, c'est quand même grand pour une personne, on s'est dit, c'est un peu de la triche. Ah oui. Eux, ils veulent couler, eux, vraiment, donc, ce qu'on ça, va faire... C'est le défi, c'est leur défi ou quoi? Ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va prendre... Hop, 4. Bruh. Bref, on va prendre 4 oreillers pour essayer de flotter. 4, ça va, c'est pas trop de la triche. Merci les gars, vous gérez. J'ai déjà fait tomber tout à l'heure. Et je pense qu'avec ça, on va prendre un genre de gaffeur pour faire tenir tout ça. 2,86€. Bon allez, on passe à la caisse, c'est parti. Ok, c'est parti. Du coup, on va commencer à gonfler ça. Donc vraiment, comme vous pouvez voir, ça va être la merde. Alors désolé pour les problèmes de mise au point et les problèmes d'ISO, mes cadreurs n'ont absolument pas l'habitude avec ma nouvelle caméra. Allez, c'est parti, je te laisse mettre play. Bah, qu'est-ce que t'attends? Appuie. Ah, faut que je le fasse à ta place. Allez, c'est parti. Attends, par contre, la vie de ma mère, il y en a un qui est vide, gros. Non. La vie de ma mère. Ah, celui-là, il est vide. On a acheté un truc qui était vide. Je sais pas, ça va venir. Je parle. Bref, malheureusement, on a un Portugais dans l'équipe. Du coup, vous connaissez les Portugais, très, très fiers d'eux, très je suis le meilleur. Mais c'est pas ma faute si c'est vrai. J'aime pas les Portugais. Non, je rigole, c'est bon, j'adore les Portugais. Et la ah, preuve. Ah, il y a une araignée. Voilà, tout le temps en train de vérifier nos travails, c'est con. Eh, hey, c'est pas ma faute si je fais du bon travail. Là, tu vois, c'est le mec typique, le patron. Qu'est-ce que tu fais? Ah, attends, je te scotch aussi, pour la merde. Ah ouais, ouais. Antoine, ouais. Antoine. Non, là, tu l'as. Non.
Regarde, mais elle va pas tenir. Mais regarde, est-ce que vous votez pour on met ici ou pas celui-là? Moi je vous dis, vas-y, on met là. Il va nous faire monter à la surface. ça va nous aider à monter. On le met au-dessus, y'en a, il se pose. Non mais ça va, tu l'aurais mis où toi? Tu l'aurais mis où, t'es dit? Je suis pas à côté de moi. Eh, ça va être le Titanic le truc. De toute façon les gars, si ça coule, c'est à cause de lui. Moi je dis ça. Quoi? Qui a fait les plans? Bah c'est moi. Voilà, donc c'est à cause de ta faute. Ouais, mais après c'est toi qui as décidé des emplacements des bouteilles. Ah non? C'est Antoine? Non, c'est Mickaël qui a merci. Choisi. Merci. Écoute-nous frère, ça sert à quoi d'avoir ça gros? C'est important pour moi, c'est un vrai bateau pour moi, ok? Ça, ne t'inquiète pas, fais pas confiance. Je vais faire des hublots aussi. Bref, on va chercher des trucs pour améliorer le bateau et tout ça. Pas, on va pas acheter, hein, parce que le but de la vidéo c'est vraiment de. Il manque un coussin en plus. Ouais, il dit ça, mais il a acheté des oreillers. Non, mais regardez le truc que ça donne. Franchement, ça a une belle bio pour l'instant. Attends, venez voir. On a fait les courses. On a fait les poubelles. Regardez ça. Les gars, le bonheur. Et pour nous, les gars. Honnêtement, tout à l'heure, je le sentais pas trop. Là, franchement, je le sens un peu plus. Ouais, non. Parce que, si, franchement, je le sens un peu plus. Et si, t'es dit, t'es ça, tu sens plus. Tu sens plus ce que je veux faire, mon idée. C'est ça. Justement, on met tout et après on scotche. La bouteille, on la met là, non? Bah, attends, je mets la bouteille. Non, mais c'est normal qu'il y a une fuite. Là, je le sens moins. Oh putain! Attends, elle met pas dans l'eau, elle fuit déjà. Elle fuit déjà. Bon, on va l'enlever. Mais arrête! Faire n'importe quoi! Mais il a mis quel bateau! Je vais faire un parquet aussi! Bon, les gars, on va faire un test! Si ça tombe! Non, ce coulo! Ouais! Ça tient! Attends, c'est la fin! Dis-moi là où tu veux le mettre! Vraiment, c'est précieux par contre là où tu veux le mettre! Ouais, là, voilà! Ouais, okay. Bah, par contre, t'arrêtes de tout critiquer comme ça parce que t'es pas à notre place, tu sais pas ce qu'on fait là! Oh, il a failli viser l'eau! T'es un enfoiré là! Voilà, mon des petites. Ah ouais, bien joué. Non, des bouteilles surtout, attends. En fait, je voulais juste visser le scotch, mais vu qu'ils sont cons, ils comprennent pas. Non, attendez, ils voulaient visser des bouteilles. Mais non, le scotch. Mais c'est encore pire. Visser du scotch, mec. Wow. Attends, regarde, viens, on essaie de plier. Non, t'inquiète. Ah, mais tu sais, ça sautait. Ah, les gars, j'ai plein de barres. Je te jure, c'est horrible. Là, j'en ai marre, ça. Je me suis réveillé, j'avais une conjonctivite et avec un rhume et mal à la gorge. On s'en fout. Il a voulu quand même faire ce bateau. Non, en vrai de vrai, ça a de la gueule. En vrai de vrai. Non, j'avoue, il a raison. Merci. C'est un peu plus de gueule. Et là, hop. Non, mais attends, comment on rentre après? Ça, ça, c'est pas con, ça. On va faire une petite porte. Bon, on va le foutre à l'eau, c'est parti. Bon, ça va marcher ou pas? Ouais, non, franchement, depuis le début, j'avoue, le début, on n'était pas confiant. Mais en vrai, ouais, ça a de la gueule. Ça va marcher, ça a de la gueule. Confiance, moi. Vous allez voir, ça va marcher, vous allez voir. Dites-nous dans les commentaires si maintenant vous êtes plus serein, on va dire. Eh, franchement, belle gueule. Pourquoi ça? Vas-y, Teddy, fais-le décoller. On dira. Bon, allez, on a terminé le bateau, du coup c'est parti pour le mettre sur l'eau. Antoine, il a pas l'air très serein. Je vous explique, à la base on devait être 3 dessus. Malheureusement, on n'est pas trop serein, du coup on va faire 1. Ouais. Et après, le deuxième va nous rejoindre, le deuxième perdant. Ouais, mais non, on avait pas dit ça au début. On avait dit un seul, tout seul au bateau. Oui, d'abord tout seul, et après on va voir, on va peut-être faire 3, on verra. On verra, ça dépend comment le bateau tient. Shifumi, donc je vous rappelle, pierre, feuille ou ciseaux, il n'y a pas de puits ou je sais pas quoi. Donc le premier qui perd là tout de suite, il y va. Le deuxième qui perd, il y va. Et le troisième qui perd, bah, il y va. Okay. Allez, vas-y, c'est parti. Allez. Pierre, feuille, ciseaux. Oh là, il va en premier, vas-y pour nous, ça va? Pierre, feuille, ciseaux. Oh, j'y vais en dernier les gars. Ok, donc là comme vous allez voir, le format va changer, l'image et tout. C'est là on est passé sur mon iPhone parce que l'autre il y avait plus de carte mémoire, enfin plus de mémoire, c'était la galère. On t'a pas oublié gros. Allez, c'est parti. Si je reviens pas, dites à ma mère que je l'aime. Oh le bâtard. Oh, ça coule pas. Attends. Passe-moi le drap. Va chercher le drap, Antoine, ça veut rien dire. Là, franchement, pour l'instant, ça a l'air cool, mais ça veut rien dire. Ça se trouve que... Attends. Arrête, c'est moi le premier. Ma mère, quoi.
C'est moi le premier. La vie de ma mère, il va tenir, gros. C'est moi. La vie de ma mère, il tient, les gars. La vie de ma mère, il tient, les gars. Vas-y, assis-toi dedans. Assis-toi dedans. Assis-toi dedans, gros. Arrête, il va tomber, arrêtez. Vas-y, gros, assis-toi dedans. Tu pourras jamais. Je vais pas m'asseoir. Mais si, frérot. Mais y'a pas de rame. Mais je te jure que non, je vais pas m'asseoir. Tiens, le bout. Mais qu'est-ce qu'il fait, Antoine? C'est bon, il tient, c'est bon. C'est bon, tu tiens. Attends, non, tiens-toi, c'est ça que j'étais en train de te dire. Tiens, mais il y a de l'eau qui coule. Mais qu'est-ce qu'il fait, Antoine? Mais je tiens. Est-ce sûr, c'est du surf. Vas-y, c'est bon, lâche. Nickel. Non. Est-ce sûr, c'est l'équilibre. Passe ta main. Mec, je le sens encore moins que Mickaël. Mais je t'ai dit, bah voilà, passe ta main. Assis-toi dedans. Mais en fait, c'est que là, on coule. Assis-toi dedans, gros. Mais non, mais en fait, c'est pas possible. Assis-toi. Arrêtez, parce que quand ça va marcher, vous avez tous bégayé à part là. Non. Assis-toi dedans. Je peux pas. Vas-y, frérot. Voilà. Et là, maintenant. Mec, c'est pas possible, mec. Tiens, je suis trempé du cul. Arrête, lâche pas. Lâche pas le bateau. Mec, mes chaussettes, c'est plus possible. Et faites sur 3. C'est que j'ai pas réfléchi. J'ai été chercher le bateau. Mais je t'ai dit. Je t'ai dit, c'était pas serein. Ça mouille pas les pieds sinon. Hein? Si tu mets. Attends, regarde. Il est en train de dire, ça mouille pas les pieds. Regarde ses pieds. Nickel, je sens que tu vas m'envoyer comme ça là-bas. Je te jure que non, je suis un fils. Non, je te jure que non. Je te jure sur ma vie. Ok, bon. Ouais. Mais c'est quand tu t'assois, c'est mieux. Et pourquoi ça fait de la merde? Oulala, en fait, j'ai compris en fait. Oulala. Non, mais attends, je viens de voir, il a une bouteille qui a pas de bouchon. Non. La NBC, c'est là. Qui a fait ça? Mais regarde, qui a retiré putain, le bouchon? Oui, c'est à cause de celle-là. C'est toi, Teddy. Je le sens bien là. Non mais attends, tu sais pourquoi? Parce que là on est sur l'escalier. Hein. Mais non. Bah si. Regarde, si je te pousse un peu. Frérot, fais pas le con. Non mais regarde, non mais c'est juste pour te montrer, regarde. Regarde. Tu vois? Je suis où là? Je suis dans le bateau là ou pas? Bah oui. Bah arrête là, t'as me mettre dans l'eau. Je me rends compte, il en a passé la journée. Mais elle est là, le bouchon. Filme le bouchon s'il te plaît. Regardez, c'est lui qui nous a trahis. Ah mais je me rends compte. Fils de pute. Je me rends compte qu'on a passé la journée à faire cette merde. Non, vraiment, je suis content, même si... Vous êtes pas contents, les gars? Ok, la team, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi, je suis assez déçu parce que le bateau, je pensais qu'il allait un peu plus loin, mais là, au final... Pareil. Non, moi, en vrai, moi, je suis fier pour le travail qu'on a fait, l'amour qu'on a donné pour ce bateau. Assis-toi. La preuve, il est encore dessus, regardez. Hein? T'es encore dessus, la preuve, tu kiffes. Bah ouais, je vais l'emmener chez moi, hein, les gars. Non, mais en vrai, on a pas beaucoup investi, genre 7 balles. Il y avait quoi? C'était que de la récup et le reste, c'était du scotch d'action. Ouais. Et 3 coussins, normalement, on devait avoir 4, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mis un carton vide dans les rayons. Du coup, on s'est fait. Enfin bref, dites-moi si vous avez aimé ce genre de vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et dites-moi en commentaire si vous voulez voir une autre vidéo comme ça avec de la construction. Et avec nous. Avec nous. Voilà, avec eux bien sûr. Bah oui. Bon allez, surtout n'oubliez pas. Toujours présent. Prenez soin de vous. Money, nigga.